Yeah. I am Mohamed Mubarak Muntaka, a member of parliament in Ghana, and I'm currently the government chief whip in parliament. I've been in parliament for 12 years now and hoping to go for another election. Yeah. Evaluation is key. It's everything, because you need to take decisions based on evidence, based on facts, based on accurate information. And if you do not get, you have decisions that you've taken, you have programs that you have programmed yourself, you have budgets, you have a lot of activities that some are mandatory by constitutional, others are by legislation. If you don't put in a mechanism to monitor and evaluate, you'll be lost. Because you don't know where you are, you don't know whether you are moving towards your target, you don't know whether you are almost getting there, whether there's a need to change strategy, whether there's a need to do any other thing. So it's key to everything that you do if you really want to achieve the expected results. And in Ghana, what we have done over the years is that having realized the deficiency in agencies coming up willingly to give evaluating reports, we have legislated almost every reporting system in Ghana. So, I mean, I've had the privilege of chairing the health committee in Ghana, where we did so many laws. I mean, we did the public health law, we did the national health insurance law, we did so many. And in each of them, we put emphatically, you will have to give parliament annual report. So this is to the house. But then the committee itself, mandate itself, with in between the year, having mid-year evaluation of the activities of the Ministry of Health and their agencies. So let me just say that it is impossible to be able to achieve the expected results if evaluation is not taken. Evaluation is key. I mean, like I said, what we did in Parliament in Ghana, virtually, is to legislate. Because when you legislate, it becomes mandatory. If you leave it optional, you have, because of the busy nature of decision-making bodies, whether cabinet, whether ministers, whether Parliament, you don't know that time is running fast. You want to do something in 3 years. And then you forget that they need to be reporting because you've left it to be at their discretion. I think that the key that needs to be done across Africa and probably the whole of the world is as much as possible, especially with government agencies, we legislate to ensure that it is not only annual, but it is time-bound. Because in Ghana, almost all the relevant agencies, Ghana Aids Commission, Atomic Energy, the Petroleum Issues and all that, you will see that you report Parliament annually, not later than 1 month at the end of the year. So you mark it time bound to ensure that this is done. But we need to also look at something. I mean, what are evaluation key things in evaluation? Is the value, is the incentives, and then it's about effectiveness. If you do not put in a mechanism to ensure that you are getting quality evaluation, it will be like garbage in and garbage out. Because you get poor evaluation and you use that to take poor decision and you don't end up achieving the expected results. So for national development, I'm of the view that key actors must be conscious of evaluation. They must not only be conscious of evaluation, it must be time bound. And it must not also wait for the whole year. It must be within the year. Maybe twice or thrice, keep watching what you are doing so that you are sure that you are heading towards where you want to be. Another very important thing that we need to watch in evaluation, especially when it comes to national strategies, is the value. I'm yet to be told one country that has the same value system across its length and breadth. We need to be
very conscious of the values, because the evaluators or the team of people that are going to do the evaluation are also influenced by their values. And there are key groups or key value systems, like gender issues, like persons with disability, persons living with HIV, children, the vulnerable, the aged. So in everything that we do at the national level, we must have all this diversity, especially if we are talking about the sustainable development and thinking that not leaving anybody behind. We need to understand the diversity in which we find ourselves. So that in evaluating, all these diversities are brought to board to ensure that they are part of whatever evaluation that is going on. Because most of the time, the policy makers do not have time to look at the details. They just look at the evaluation report and act based on the evaluation report. So in the design of the evaluation, we need to ensure that all these key issues are factored in the evaluation too. So that when the evaluation reports come and you are acting on it, you know that you are acting on holistic dimensions of your whatever the issue is, especially health. The future evaluation, I mean, it continues to be very important. I mean, I can't imagine any day, any time in the world where evaluation will not be important. Maybe the future evaluation will no longer be annual. It may go closer to, say, monthly, because of one, technological advancement, because of the diversity that we have, because of the fast nature of changes that happen. So, and you may know that changing objective, I mean, you set an objective that you had to come here this morning. Then along the line, something happens. Immediately, you need to change your objective. So because of the fast-changing nature of the objective that we even set, evaluation will have to be up and running with the changing of the world, with technology, with the mindset of people, with the value system that we have, with the diversity that we have. Evaluation will have to run to be able to remain relevant in our day-to-day. Obviously, we need to be reviewing everything that we do, whether by daily, by a month, but I'm believing that it will not be long. It may no longer have to be annual. It may have to be either quarterly or monthly for it to be more efficient. I mean, this is a major challenge that we've been battling with since the inception of the Pan-African Parliament in 2005. And the main challenge is that we are not legislative body. We are only advisory. Yes, the AUC, the African Union Commission, sometime last year, gave us the power to legislate. But we need ratification, and we need 28 countries in Africa to rectify before it becomes effective. This is a big stumbling block. I'm tempted to believe that if it stays the way it is today, we may become irrelevant very soon, because a lot of expenditure is put into running PAP. If it doesn't have the legislative power, whatever we do, because it's at the advisory stage, you are going to be struggling to get the regional organizations. For in the case of ECOWAS, West Africa, you have ECOWAS, you have SADC, you have IALA, and all that, not taking whatever we are doing serious. You may put a lot of effort. You now have to, because it's advisory, you have to meet on one issue. Yesterday, you saw this harmonization in drugs policy. It's taken us 6 years to be able to get it over one item. You know, in Africa, the issue of climate change is running across the whole of Africa. It's not a one country issue, or it's one sub-regional issue. The issue of poverty, the issue of agri, degradation of the land utilization, our water bodies, a number of things. If it takes us 6 years to do just one drug model law, it may take us forever to do the rest. But if we are given legislative powers, then the parliament, and for that matter, its committees, relevant committees in PAP
Pan-African Parliament will begin to have module laws that will become mandatory for the sub-regional levels to implement. But at this level, that is advisory. You give it, is you take it or they don't, or leave it. They either take it or they leave it, and there's nothing that you can do. And that itself is within built-in apathy for members of power. You put so much effort, do all kind of things, do a lot of travel and meet a lot of people, meet a lot of parliamentarians, country level, regional levels, and then nobody acts. It becomes a disincentive to continue. So for me, and in reality, if we want the PAP, the Pan-African Parliament, and its relevant committees, and for that matter, the Health and Social Committee, to be very relevant, we need to fast-track the issue of legislative powers, so that whatever you are able to come up with becomes mandatory for enforcement by the regions. But for now, I would say we are only scratching the surface, and we are not able to get to the really meat of the matter. It brings us to the same. Like I said, they gave us the powers to be able to generate model law. But we need 28 countries to rectify. Since last year, December. No, in the case of medicine, December. But in the case of the PAP as a body, since sometimes I think July. And as we speak, only 5 countries have rectified. In a year, only 5 countries have rectified. I don't know when we are going to get the 28. Even with medicine, that is delicate and a bit easier to implement because many countries did not have existing laws. So it was more or less like something that the countries themselves are interested. It's taken us 6 years. So I think that it will improve, but if PAP, or for that matter, Pan-African Parliament and its committees continue to think that whatever we effort we put in, it may not be used, it will set in apathy. And then it will drill all the effort. But I know that with this drug harmonization, it's going to be a big changer in Africa because it sets the standard similar wherever you find yourself. You know how smart pharmaceuticals are, knowing very well that our borders are porous. So if South Africa has a very good law, and let's say Lesotho doesn't have a very good one, they go and establish in Lesotho and then smuggle into South Africa because we have porous borders. So to have this harmonization across regions is a very, very important thing. But we need to find a way of strengthening PAP and its committees so that they become more relevant in this direction. Well, I mean, let me say that it's a major challenge. I mean, if you look at the regional, we have ECOWAS, we have IALA, we have SADC. How effective are they able to meet? They meet usually at the AUC, at the African Union level. How long does the meetings take? Not really long. If you look at the details of what is done and the evaluation that are done at the regional levels and now trying to put them together, for, say, the whole of Africa, I think that we still have a long way to go for it to be very effective. But nevertheless, it is still a very useful exercise that not only the regional bodies, the international bodies as well, like the WHO, the USAID, the NEPA, the lack of all of them, we need to find, because like I said, in Ghana, we've managed to get our agencies to mandatorily report. I don't think that Ghana may have the powers to insist that WHO must report to it on the activities of the resident country every year. Can we look at it at that international level, that when we are coming up with any program, like these SDGs, then at the UN, we all agree that there shall be evaluation every 3 months, and the resident country must be notified. It is only through that this evaluation may be relevant, because
I have stumbled upon many agencies, non-governmental, governmental, that have had so much information in their evaluation. And you see that the policymakers, like myself and others, are acting in ignorance of what is there. And that is not good for us, because it's still the resources of the world, and we need to find a way of harmonizing them so that it becomes very not only effective, but it becomes very relevant in the running of policy across the continent. Well, I mean, this is also another major area, because if you look at the budget of the Pan-African Parliament, I'm sorry to say, it pays for staff and does very little in operations. So in the whole of a year, the Select Committee on Health may have a budget to interact outside Midran, maybe not more than three. So in these three, you may choose to meet ECOWAS and the Committee on Health at the ECOWAS level, and then maybe SADC, and then you run out of funds. I think that we need to look at the funding of PAP and its activity, because PAP is relevant only when its committees are able to do their work satisfactorily. And we meet here only four times in a year. And I believe that if there are resources, we do not necessarily have to convert here. We could just convert at a point where we want to meet. I know in the past, the Select Committee on Health have been able to meet the ECOWAS Select Committee on Health, met even the Ghana Select Committee on Health, and some number of countries. But in a whole year, you are not able to do more than three of that. And I don't know how effective that can be if we really want the Select Committee on Health and Social Affairs at the PAP or Pan-African Parliament to be able to carry out its mandate effectively if it can only interact with other bodies outside Midran three times in a year. I think that we need to look at the funding issue, because other than that, well, you may have a very nice vehicle, but you don't have good fuel to put in it for it to run, and then the vehicle becomes inefficient. I don't want to call the committee not meeting its mandate, but with the current challenges of funding, I believe that all committees of PAP are underutilized, and they are not able to link up effectively with the regional bodies, not alone to evaluate what they are doing, and then they also evaluate the Pan-African Parliament committees, what they are also doing, so that we see where we have to put the synergy together to be able to have a combined effect of what we want to achieve and get it accelerated and get achieve results faster. There's a funding gap and there's a funding issue. Oh, so give me your full name and title, please. My name is Bongani Mdlole. I'm a member of Parliament from the Kingdom of Swaziland, and in Pan-African Parliament, I'm in the Health Committee. Thank you. All right, let's go for the first question. Okay. Question one, as a parliamentarian, how is evaluation useful in policy making in your country? Well, in my country, evaluation is very, very important, really, because it's information that we need as parliamentarians, given the fact that we are not professionals. We need to be informed on matters of health and matters of different domains in life. So really, evaluations are key so that we can decide on forging policies the right way. Question two. How can the demand for evaluation and the use of evaluations be strengthened in decision making for national policies? Well, I guess we need to have a good relationship between parliaments and those bodies that are responsible for doing all these evaluations. So information has got to be two-way. In fact, it will be important that we create a very strong relationship so that we share information. Question four, how do you see the future of evaluation in your country? Evaluation,
Yeah, the future for evaluation depends on how we handle this very issue. Otherwise, I see no hiccups or problems in terms of making it useful. So it depends on how we handle it. In a nutshell, I'm seeing a good future on evaluations. Question five, as a member of the Pan-African Parliament's Health, Labour and Social Affairs Committee, what can you do to promote regional approaches to health and ensure the full participation of African people in discussions? Well, it's all about making it, putting it on the limelight, let me say. We have to talk about it. If it calls for maybe motions in the plenary to put it up high there, there will be a need, because as members of parliament in the Pan-African Parliament, we are from our national parliament, so issues can be taken back to our member states, issues can even reach the communities. So it's all about making it visible and known. Question six, what is the role of regional and international cooperation strategies in promoting a stronger evaluation community? Sorry, I wasn't supposed to ask question six. Okay. Yeah, sorry. Go for it. Question seven, how does the Pan-African Parliament's Committee on Health, Labour and Social Affairs link with other regional institutions to support the regional health agenda? So the link is mostly on sharing the information, sharing what we have, sharing what evaluations are there, and how best they can be put to use. So as long as we share information, information taken back to national parliaments, information shared with the officials who are responsible for implementing matters on the ground, everything happens thereafter. There'll be good results. You take back the information to your countries and you implement. Is there a way in which it is fed back? You come back and report back on what has happened? I think there is a loophole in as far as that link is concerned. We usually take the information from maybe Pan-African Parliament to our member states and then get implemented if possible, but then the feedback is quite rare. It's basically zero. Sound crazy, but I need you to stand behind Nicola so he can't see you. Otherwise, what happens is his eyes shoot from her to you all the time. So don't make eye contact with him once he starts answering. Hide behind Nicola so he can only talk to Nicola. Okay. All right. Okay, we might. So, but we understand that there is a caucus, like for East Africa. So within that caucus, when you're taking back information, do you have a responsibility to take it back to all the countries, or is it just your country? Well, from here, what is possible is to take that information back to your country, because taking information to other member states has got implications. So you are only permissible to take information back home, lest you had been assigned to do otherwise. Well, I cannot be sure of that, but it can depends on how our relationships are established, how we intend to forge a way forward in terms of solving problems that are there for the success of issues. Okay.
new mandate of developing model laws, as we've seen with the harmonization of pharmaceuticals, how will this enable them to shape the regional and national health agenda? The new privilege that has been given to Pan-African Parliament to craft model laws is very useful because it will create uniformity in terms of the different legislations that we use in our different member states in the region. So for health issues, if we use legal instruments that are almost the same, it will help even in the disbursement of different medications to the people, and then a healthier environment will be ensured, because many a times we might go different ways and then you might find side effects in medication, this and that, and then finally things that are uncontrollable. So uniformity will be key. Cool. Would you like to give us your full name? Je suis Madame Traoré, Dr Zalikatou Diallo, députée du Parlement panafricain, députée du Parlement guinéen, secrétaire générale du Forum des femmes parlementaires de Guinée. C'est bon? It's okay like this? Au Parlement de votre pays. Comment l'évaluation a-t-elle été importante dans l'élaboration de projets et planification politique? L'évaluation a été d'une importance capitale pour la prise en compte de tous les problèmes liés à la politique sanitaire de notre pays. Et cela a permis de donner des allocations budgétaires suffisantes pour pouvoir traiter les questions épineuses au niveau sanitaire dans notre pays. Comment peut-on renforcer la demande et l'utilisation de l'évaluation afin de mieux influencer le processus de prise de décision de politique nationale publique? À cet effet, il faut s'apesantir. Comment peut-on renforcer la demande et l'utilisation de l'évaluation afin de mieux influencer le processus de prise de décision des politiques nationales? À cet effet, il faut utiliser le plaidoyer, la sensibilisation, le lobbying pour essayer de convaincre les décideurs à tous les niveaux afin que l'évaluation soit un outil précieux pour pouvoir déterminer les politiques de notre pays en matière de planification. Et surtout, le plus important, ce sont les données fiables. Donc, avoir des enquêteurs capables, bien formés pour recueillir des données très importantes, cela est très important pour mettre en place les politiques et programmes nécessaires pour subvenir aux besoins des populations en matière de santé et à tous les niveaux, surtout dans les zones rurales ou dans nos pays en voie de développement. Les services de santé sont déficitaires, il faut le reconnaître. Pour cela, pour faire face à la demande, il est important d'abord d'évaluer comme cela se doit avec des données fiables et programmées pour pouvoir remédier à tous ces problèmes qui sont des tourments qui assaillent nos populations au quotidien. Comment voyez-vous l'avenir de l'évaluation dans les prochaines années? Quel sujet devrait gagner plus d'attention et pourquoi?
Au niveau des prochaines années, l'avenir de l'évaluation est, à mon avis, l'espoir est permis. L'espoir est permis dans la mesure où aujourd'hui, au niveau de nos États, les acteurs comprennent de mieux en mieux qu'il faut évaluer tout pour avoir vraiment des données précises pour que les allocations budgétaires que l'État donne respectent les engagements au niveau international, tels que par exemple la déclaration d'Abuja qui recommande aux États africains des allocations budgétaires au moins de 15% du PIB, rien que pour la santé. Et le plus souvent, ce n'est pas respecté. Mais quand nous évaluons, la nécessité se fait sentir de pouvoir vraiment mettre en œuvre ces recommandations. Ensuite, toujours pour avoir une bonne évaluation, il faut des données recueillies, les données désagrégées. Quand on a les données désagrégées, on peut mettre des allocations budgétaires qui respectent l'équité, l'efficience, l'égalité. Et cela permet de résoudre réellement les problèmes pour que les allocations budgétaires faites servent vraiment à aller de l'avant, à atteindre les objectifs escomptés. Et pour cela, l'accent doit être mis sur les femmes, les enfants, ensuite donner vraiment des allocations budgétaires suffisantes dans le domaine des maladies infectieuses transmissibles et aussi, pourquoi pas, au niveau des maladies non transmissibles qui sont aussi des problèmes de santé publique de nos jours non négligeables. Au niveau de la Commission Santé, Travail et Affaires sociales du Parlement panafricain, nous discutons le plus souvent de thèmes très pertinents et nous avons pour vocation principale également l'élaboration des lois types qui prennent en compte les véritables problèmes de santé des populations au niveau de l'Afrique. Pour cela, pour réussir notre mission, nous sommes tenus de collaborer, d'avoir une synergie d'action avec les intégrations sous-régionales, les organisations sous-régionales et les lois types qui seront élaborées là seront vulgarisées à ce niveau et aussi ces lois types que nous envisageons, dont nous ambitionnons la réalisation, peuvent étayer les lois nationales pour que ces lois soient vraiment le plus efficaces possible et les lois les mieux à même de résoudre les problèmes de nos populations. En tant que parlementaire également, il est nécessaire qu'on puisse dialoguer avec les populations qui nous ont élus. Et le débat à ce niveau est très important à la base et avec une synergie également avec les organisations de la société civile pour pouvoir vraiment diffuser les messages importants en matière de promotion de la santé. Nous devons collaborer également avec les médias. Et ensuite, comme je vous l'ai dit au départ, les enquêteurs doivent cibler vraiment des questions pertinentes. Ensuite, cibler tous les publics, avoir des informations et surtout les données désagrégées par sexe, par tranche d'âge, pour que les allocations budgétaires prennent en compte tous les problèmes et que l'efficience soit de mise et que l'efficacité recherchée soit de mise également. Comment le comité de santé, du travail et des affaires sociales du Parlement panafricain établit le lien ou collabore avec les institutions régionales pour soutenir
soutenir les initiatives européennes et régionales. Et ici, au niveau du Parlement panafricain, chaque fois que le comité se réunit, nous débattons de ces thèmes. Immédiatement, il y a un compte-rendu qui est fait aux organisations sous-régionales. Et au niveau de nos parlements, nous avons également des députés désignés au niveau de ces parlements régionaux. Mon pays, la Guinée, par exemple, a 6 députés désignés au niveau du Parlement de la CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale, avec qui nous collaborons, le député qui est au niveau de la commission santé. Nous avons des réunions, des séances de travail le plus souvent, et nous collaborons. Et il transmet toutes ses idées, toutes ses prises de décision au niveau du Parlement de la CEDEAO. Et au niveau du Parlement panafricain, le secrétariat général est en étroite collaboration avec le secrétariat général des organisations et des communautés régionales. Et il y a cette synergie d'action à ce niveau. Au niveau également des partenaires techniques et financiers, il y a des partenariats scellés. Et vraiment, ces partenaires techniques et financiers assistent le Parlement panafricain, assistent les parlements régionaux, et les politiques sanitaires sont mises en synergie pour pouvoir agir pour le bien-être des populations de nos États. Comment le nouveau mandat du Comité de santé, du travail et des affaires sociales du Parlement panafricain dans le développement de modèles de loi politique va leur permettre de réformer l'agenda sanitaire régional ou national? Quels sont les domaines prioritaires qu'ils espèrent répondre en premier? Ok, le Comité de santé a pour vocation première l'élaboration des lois types. Ces lois types, le plus souvent, sont élaborées de commun accord avec les partenaires techniques et financiers. Surtout, l'exemple le plus marquant est la loi type sur l'harmonisation et la réglementation de l'utilisation des médicaments en Afrique, qui a été le premier chantier d'ailleurs de la Commission Santé, Travail et Affaires Sociales du Parlement panafricain. Cette loi a été adoptée par les chefs d'État et de gouvernement au dernier sommet de l'Union africaine. Et maintenant, il faut œuvrer à ce que cette loi soit signée et ratifiée par les différents États, et œuvrer également, faire un plaidoyer pour qu'il y ait justement la prise en compte de ces lois au niveau des loi nationale, pour qu'il y ait une harmonisation de la réglementation des médicaments à ce niveau. Et nous envisageons même d'élaborer plusieurs autres lois types. Et surtout, la priorité, c'est de répondre aux épidémies, aux structures sanitaires de base. Il faut renforcer les capacités de ces structures sanitaires, renforcer les capacités du personnel sanitaire pour répondre rapidement aux épidémies qui peuvent survenir, les maladies infectieuses. L'exemple le plus palpable était l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui a frappé 3 pays de la région ouest africaine, notamment la Guinée, d'où est partie l'épidémie, ensuite le Libéria et la Sierra Leone. Il y a eu du mal à contenir cette épidémie, qui est devenue rapidement un danger pour la santé mondiale, tellement le virus se propageait. Et ça, c'est dû à quoi? C'est que la riposte était faible au départ, dû à l'insuffisance, voire même à la précarité des services sanitaires de ces États. Il a fallu un concours vraiment tous azimuts des institutions internationales pour pouvoir venir à bout de cette épidémie qui a causé la mort de plus de 10 000 personnes. Alors aujourd'hui, la priorité, c'est que on respecte au niveau des États les allocations budgétaires nécessaires pour donner des soins de qualité, pour avoir des services sanitaires de qualité,
Ensuite, pouvoir faire face le plus rapidement que possible aux différentes épidémies qui peuvent survenir. We didn't do questions 3 and question 6 on this interview. I didn't remember what I said. You must start with introducing yourself. Yes, aha. Full name and designation, action. أمين إبراهيم البيلي، دكتور أمين البيلي، استشاري باطنية، عضو برلمان سوداني، عضو البرلمان الأفريقي. حقيقة الأمر من دون تقييم أي حدث أو مجموعة أحداث لتنتهج سياسة معينة لا يمكن في هذا الزمان. نعتقد أن التقييم العملي هو يأتي من عدة آراء متعددة، وهذه الآراء تشكل رأيا عاما نأخذ منها المفيد ويكون الأغلب في الغالب، أكثر من 80% هو السياسة التي ننتهي في عمل البرلماني. من المعروف أن السياسة العامة في كل دولة تنتج نتيجة لآراء متعددة، خاصة في الآراء البرلمانية، إن كان هنالك أحزاب أو إن كان هنالك مجموعات أو إن كان هنالك عن طريق المناطق المختلفة التي تكون الحكومة الفيدرالية والحكومة الشعبية على ما كانت. لكن نعتقد أن التقييم الذي يحدث في البرلمانات وبالذات في البرلمان عندنا في السودان هو تقييم إيجابي، بحيث أن هنالك عدد كبير من الأحزاب في هذا البرلمان، عدد كبير من الآراء، لكن في الغالب ما يكون هنالك تعميم مشترك وآراء مشتركة تحدد المنهج لحل المسألة المعروضة. بنفس الوضع ينطبق هنا في هذا البرلمان، البرلمان الأفريقي، وهذه المسائل إن كانت المسائل الصحية، إن كانت مسائل اقتصادية، إن كانت مسائل سياسية تطرح على هذا المنوال، ويكون فيها كثير من الآراء، تتقارب الآراء، ودي نستفيد طبعا من الرأي والرأي الآخر في أننا نصل لوفاق ورأي محدد يمكن يكون هو الرأي الأغلب للمجموعة هذه التي تمثل البرلمان الأفريقي. العدالة الاجتماعية والمساواة عندنا في السودان بين الجنسين مكفولة بالدستور، دستور السودان، ومكفولة بالعادات والتقاليد الموجودة عندنا في السودان، وهي مفتاح لحل كثير من القضايا التي تواجه الجنسين. نحن ندعو إلى هذه المساواة بحدود القانون والدستور الذي نحكم به السودان، ونجد أن هنالك لا فرق بين الجنسين كثيرا في السودان، إن كان في التعليم، إن كان في الصحة، إن كان في استقبال في الجامعات، في الوظائف، ونجدهم اليوم طبيبات ومهندسين، نتكلم عن النساء، ونجدهم أيضا معلمات، وفي الشرطة، وفي كل مظاهر الحياة أصبحت المرأة السودانية تشارك مشاركة فعالة جنبا إلى جنب مع الرجل. هذه إشارة واضحة لهذه المساواة التي نعمل من أجلها ليسعد المجتمع السوداني. Last question.
مستقبل التقييم ننظر له نظرة إيجابية في كل المواضيع التي تطرح في هذا البرلمان، ونعتقد أن القارة الأفريقية زاخرة بكثير من المزايا التي حباها بها الله، ونفتكر إن هي هذا البرلمان جمع كل القوميات والأجناس الموجودة في أفريقيا وكل أشكال الحكم المختلفة الموجودة في أفريقيا لكي تناقش قضايا جوهرية في كل البلدان وتصل إلى آراء معينة وتصل إلى آراء ناجعة وتصل إلى تقييم مشترك يمثل الحد الأدنى للتوافق على المستوى الأدنى في كل السياسات، إن كانت الناحية السياسية وإن كانت الناحية الاقتصادية والناحية الثقافية أو غيرها. وبالتالي هذا التقييم هو الذي ينتج ويكون هو فرصة ممتازة جدا جدا للشعوب الأفريقية للتقارب وللنظر بكل اطمئنان لمستقبل أبنائنا إن شاء الله. بالنظر لما يدور في اجتماعات البرلمان الأفريقي في كل اللجان المختلفة، نحن مطمئنون جدا للخطوات التي يسير بها هذا البرلمان الأفريقي في التقارب من السياسات العامة والتقارب بين البلدان والشعوب، ووضع إن شاء الله القارة الأفريقية في الخط السليم نحو التقدم إن شاء الله بإذن الله. كثير من القضايا نحن نعتقد هنالك خلافات ما بين شعوب هذه القارة، لكن الحوارات المختلفة تقرب المسافات ونصل إلى رأي مشترك يحقق أمان هذه الشعوب إن شاء الله في المستقبل في كل المجالات. It's fine. You just call the question number. Just call the numbers when you do them, okay? Okay. And action. You need to introduce yourself. Ah, yes. Thank you very much. Go for it. Continue. Pouvez-vous introduire votre nom complet, votre fonction au Parlement et votre fonction dans la vie? Ben, je suis Bakary Ouattara. Je suis professeur agrégé de médecine et je suis député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis également rapporteur de la commission santé, travail et affaires sociales au niveau du Parlement panafricain. Je suis par ailleurs vice-président du réseau population et développement de mon pays. Question 1. Au cours de votre mandat au Parlement de votre pays, comment l'évaluation a-t-elle été importante dans l'élaboration de projets ou planification? Mais l'évaluation, je le disais, c'est un processus qui vous permet de vous remettre en cause dans une activité que vous menez. Donc, ça fait que chez nous, une évaluation, c'est toujours important parce que lorsque vous engagez dans une activité, à un moment donné, il faut pouvoir voir si vous avez atteint votre objectif ou pas. Donc, vous vous arrêtez pour faire l'évaluation, pour voir s'il faut se donner de nouvelles orientations. Donc, c'est un processus assez important. Comment peut-on renforcer la demande et l'utilisation de l'évaluation afin de mieux influencer le processus de prise des décisions de politique nationale publique? Je pense qu'il faut, y arriver. Il faut, c'est un processus, moi je pense que si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons être efficaces, l'évaluation s'impose à nous. Il faut le solliciter, il faut le faire. C'est une obligation parce que si, je le disais tantôt, quand vous donnez un objectif que vous voulez atteindre et vous proposez une stratégie d'approche, à un moment donné, il est important de s'arrêter pour voir si vous êtes dans le bon sens pour atteindre vos objectifs ou alors si vous n'êtes pas dans le bon sens. Et ça vous permettra en ce moment-là
de donner de nouvelles orientations pour voir si les activités que vous avez identifiées étaient les bonnes. Donc, il faut, c'est assez important, ça s'impose à nous pratiquement. On n'a même pas besoin de lui demander, il faut le faire impérativement, l'évaluation. Comment peut-on renforcer la demande et l'utilisation de l'évaluation afin de mieux influencer le processus de prise des décisions de politique nationale publique? Je pense qu'il faut, il faut y arriver. Il faut, c'est un processus, moi je pense que si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons être efficaces, l'évaluation s'impose à nous. Il faut le solliciter, il faut le faire. C'est une obligation parce que si, je le disais tantôt, quand vous donnez un objectif que vous voulez atteindre et vous proposez une stratégie d'approche, à un moment donné, il est important de s'arrêter pour voir si vous êtes dans le bon sens pour atteindre vos objectifs ou alors si vous n'êtes pas dans le bon sens. Et ça vous permettra en ce moment-là de donner de nouvelles orientations pour voir si les activités que vous avez identifiées étaient les bonnes. Donc, il faut, c'est assez important, ça s'impose à nous pratiquement. On n'a même pas besoin de lui demander, il faut le faire impérativement, l'évaluation. Alors, à mon humble avis, l'évaluation, c'est un processus d'avenir. Je le disais que ça s'impose à nous. Et si nous voulons véritablement évoluer, si nous voulons aller vraiment de l'avant, je pense qu'il est impératif pour chaque activité que nous devons mener de penser à une étape d'évaluation. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons voir notre efficacité dans l'activité que nous menons. Et personnellement, les activités prioritaires qui doivent nous guider actuellement, je pense que ça doit être des activités au niveau de politique économique et politique sociale. Parce que là, je le dis, nous devons mener des activités de politique économique et politique sociale parce que rien ne peut se faire aujourd'hui sans un développement économique. Et le développement économique aussi sans développement social, ça n'a pas de valeur. Donc, l'évaluation doit se faire dans toutes les activités sociales que nous menons et également aussi dans toutes les activités économiques que nous devons mener. En tant que membre du comité de santé, du travail et des affaires sociales du Parlement panafricain, que pouvez-vous faire pour promouvoir des approches sanitaires régional et assurer la pleine participation de populations africaines dans les discussions ou débats et prise de décisions sur le problème des défis auxquels est confronté le continent. Merci. Je me dis que au Parlement panafricain, nous sommes ici dans un organisme continental. Et en tant que parlementaire ici, ça veut dire que nous sommes des représentants des différentes nations qui représentent le continent de l'Afrique. Ça veut dire que chacun de nous ici a sa partition à jouer. Alors, pour parler de défi continental, il est important pour nous, en tant que parlementaires africains, d'identifier des référents. Ça veut dire qu'il faut trouver des pays où déjà il y a de bonnes pratiques dans certains domaines, notamment le domaine de la santé qui est le nôtre. Il faut identifier des pays qui ont déjà de bonnes pratiques et s'en servir comme des référents. Et étant donné que nous sommes aussi au Parlement panafricain, on peut à partir de ce moment élaborer des stratégies basées sur ces bonnes pratiques-là et puis en faire siennes pour essayer de les étendre aux autres pays qui, bon, pas forcément qu'ils ont des mauvaises pratiques, mais au moins s'inspirer des bonnes pratiques pour les étendre aux différents pays. Et je pense que c'est seulement à partir de ce moment que chaque État se sentira concerné par les stratégies adoptées pour arriver à relever les défis du futur concernant l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc, il faut une évaluation qui va se baser sur les pays qui ont déjà de bonnes pratiques en la matière.
d'une communauté d'évaluation plus forte. Ben, je crois que c'est ce que je disais tantôt. Hein. Pour une évaluation, suppose qu'il y ait des références dans un domaine bien donné. Donc, au plan international, il faut s'inspirer des cas de bonne pratique. Et ça peut, nous sommes en Afrique ici, nous avons des problèmes au niveau aussi bien social, au niveau économique, mais à l'international, il y a des pays qui sont avancés, il y a des pays qui sont dits avancés, c'est-à-dire qui ont des bonnes pratiques en la matière. Donc si nous mettons en place des stratégies, cette stratégie supposerait qu'il faut à un moment donné s'arrêter pour faire une évaluation, pour voir si les activités que nous menons vont dans le sens d'atteindre nos objectifs par rapport au cadre référent que nous nous sommes fixés dès le départ. Donc, à mon avis, la coopération internationale nous permet d'avoir un cadre de référence pour mener nos objectifs et pour mener nos stratégies et atteindre nos objectifs. Et c'est comme ça que je vois la coopération internationale pour renforcer le domaine de l'évaluation. Je pense que ça, c'est notre rôle en tant que parlementaires panafricains. Je le disais, nous sommes issus de différents pays pour nous retrouver ici dans le cadre continental. Donc, ça voudra dire que lors de nos travaux, nous essayons de réfléchir pour l'ensemble du continent africain, pour arrêter une stratégie commune pour le développement du continent africain. Et dans le cadre de notre commission, nous sommes en train de travailler, par exemple, sur une loi type, qui est, par exemple, la loi de l'harmonisation de l'homologation des médicaments. Et ça, c'est en se basant sur des lois types, ou en tout cas des stratégies politiques types, ça nous permet d'avoir une stratégie commune que nous pouvons distiller dans l'ensemble des pays, de sorte que nous puissions parler le même langage. Et donc, je me suis dit que nous venons de différents pays et chacun vient d'un pays qui a une réalité propre à son pays d'origine. Donc, nous nous retrouvons ici dans le cadre continental où l'ensemble des parlementaires africains se retrouvent pour échanger. Donc, je pense qu'à partir de cet instant, on peut élaborer sur des stratégies communes que nous pouvons aller ventiler chacun dans son pays d'origine. Et donc, je parlais, par exemple, la loi type que nous sommes en train d'élaborer sur l'harmonisation de l'homologation des médicaments. Parce que nous avons tous connu, chacun dans son pays, c'est qu'il y a des médicaments vendus dans la rue. Et nous savons quel problème ça entraîne pour nos populations. Donc, il est important que nous réfléchissions ensemble sur une stratégie commune. Et nous allons l'arrêter ici, dans le cadre du Parlement panafricain. Et chacun, en rentrant chez lui, part avec cette stratégie-là pour aller l'impulser localement. Donc, si bien que ce serait une stratégie commune qui serait ventilée à l'ensemble des pays africains. Et cela nous permettra de parler, d'avoir la même stratégie d'approche et trouver une solution unique pour l'ensemble des pays africains. L'agenda sanitaire régional ou national. Quels sont les domaines prioritaires qu'ils espèrent répondre en premier? Je crois que j'ai donné la réponse là pratiquement de la question à laquelle je viens de répondre. Mais donc je me dis qu'il y a des priorités qui doivent être élaborées. Et c'est ça, nous avons parlé d'une loi type. Et donc franchement, je pense que l'approche doit se baser sur des lois types. Des lois types qui nous permettront, au plan sanitaire, nous avons parlé par exemple de la loi type sur l'homologation des médicaments, mais aussi on peut parler de la loi type par exemple sur certaines maladies continentales, notamment, enfin, même internationales, notamment le sida, qui est une réalité.
surtout au niveau de notre continent, avec tous les dégâts que cela peut emporter. Donc on peut élaborer soit des lois type sur la prise en charge du sida, la loi type sur les médicaments. Je crois que si nous parlons le même langage, c'est seulement comme ça que la Commission Santé, Travail et Affaires sociales du Parlement panafricain, à partir de ces lois type-là, peut impulser une politique sanitaire commune à partir du Parlement panafricain à l'ensemble des autres pays, au niveau des autres assemblées nationales. Rachel Shebesh, Women Representative, Nairobi County. I sit in the Kenyan Parliament. Okay, fantastic. Stand by and you can ask the first question. Thank you. Okay, question one. Question Maybe you're talking only to slowly, don't look at the camera. Already. Yes, yes. Question one, honorable member. Yes. Over the course of the time that you've been in Parliament, mm-hmm. how much has Parliament used research and evaluations mm-hmm. in its work? There is no Parliament that can work without research and without evaluation. If you are working without research and evaluation, it means you are not getting the priorities right, and also you are not being able to assess yourself to see whether your policies are working and whether that is the development record you want to leave. Most political parties have manifestos. The way you generate a manifesto is by going around and collecting views from the ordinary people and then going to research on how those issues can be implemented. Once you implement them, what you had hoped to achieve, you must be able to assess it. What you wanted to achieve when you set out those roles that you want to play in your manifesto. So there really is no government and no legislative body that can work without research and evaluation. And question two, mm-hmm. how can demand for and use for evaluation be strengthened to better influence the decision-making processes for national public policies? Mm-hmm. Unfortunately, most assemblies, especially if I'm to speak for Africa, because I sit here at the Pan-African Parliament, we have a shortage of researchers. And most of the time, you will find that parliaments partner with bodies, whether they are foreign agents or whether they are local, to help them do their evaluation. So it doesn't. We don't have enough resources in terms of researchers, and that is always the negative side of planning in terms of policy making. Yes. Okay, so the way to strengthen this research? Yes, you either have more researchers or during the budget making process, allocate money to the parliaments to deal with the issue of researchers and evaluators. Because right now, we don't have enough of them. At least in my country, Kenya, I can say we have a research department that is a bit thin, and we get boosts once in a while from development partners. Yes. Mm-hmm. Given the SDGs call for no one gets left behind, mm-hmm. How should national policies be evaluated with a social equity and gender equity? Well, first thing is to devolve this process. Let the process be handled not only at the national level, but let it go down to, for example, in Kenya, the county level, and eventually to the village level or to the sub-locations, because that is where the implementation of any program is done. If, for example, you are planning to build dams, eventually you'll go to the area where the dam is been built, and you'd want to know how it has impacted on the lives of the people. So definitely, those are the people. And those are the ones who should never be left behind. Those are the people at the ground who will be able to tell you that this particular dam is working well for us, or it's not working well, or we need maybe a booster, or we need pipes to go to every home. That is how you engage. And when you engage that way, then at the national level, you are relevant to what the people want. Yes. Next question. Okay, so in the future, yes. Which topics should gain most attention in terms of evaluation and why? I think social programs. I think programs that deal with the day-to-day living of the ordinary citizen. I think we should put more emphasis on health, on education, and security. Those are issues that affect the
we say mwananchi in my country, what is the citizen, the ordinary citizen. And I think that's where we should put more emphasis, and especially in the budget allocation, we need to put more money in health, more money in education, more money in the security sector. Yeah. Still question four. Yes. In terms of the research that you're getting right now, mm-hmm. and the documents, is there any way you'd like them to see an improvement in them? Are they fully helping you? As I said, if I was to speak about our own parliament, we don't get very good information. But when we work with partners, especially if those partners are geared towards one sector, then you get good evaluation. For example, on the issue of corruption, you deal with Transparency International, for example, and we partner with them as a parliament. And so we're able to get good data and information from them, because that is really what they're focused on. So what I would encourage myself is to equip parliaments with the right resources, which includes the researchers, the evaluators, and even the monitoring and evaluation process. It needs to be improved. That I can say for a fact. It needs to be improved, because we go into project after project after project, not having evaluated what we had done before, and sometimes you find yourself in a spiral that really doesn't benefit you, us as policymakers, and doesn't benefit the common Mwananchi or the common citizen. Yeah. What can you do to promote regional approaches to what you discuss in your committee? Mm-hmm. Because our understanding is that whatsoever is carried back to the countries. True. And now we're trying to look at a parliamentary regional approach. So what can you, advise? Well, we start by implementing what our regional parliaments are saying. You know, at this level where we are Pan-African Parliament, we are continent-wide, Africa. But then there is East African Legislative Assembly, for example, there is SADC, there is the ECOWAS, the bodies that work in the different regions of Africa, East Africa, Central Africa, West Africa, South Africa, they already are regional bodies. East African Legislative Assembly is the only one that is fully legislative, that the laws that they pass in the East African Legislative Assembly must be implemented by the East African countries. That is the way we want to go. Actually, IALA is the showcase of what we would want even at the Pan-African Parliament, because right now we are only doing advisory, but we are not debating bills and getting them, into acts of law. We are not yet doing it at the Pan-African Parliament, although our new protocol is in place, and that's what we are working towards. We are hoping in the next maybe 5 years or so, Pan-African Parliament can be like the East African Legislative Assembly, but for Africa, where we can come up with laws that are common to Africa. Because if you talk about health, it's an African-wide thing. I mean, we can speak about asking governments, for example, to allocate certain resources, a certain percentage of their resources to health, to education, to the sectors that we think are important, to agriculture, for example, in Africa, also very important. So we would want to get to that level. We are not there, the Pan-African Parliament, neither are the other bodies, but I do know that the East African Legislative Assembly is there, and it's making a great impact in bringing the laws together that bring East African countries together. Yes. Any linkage between Pan-African Parliament and East African Legislative Assembly? Yes, there is. For example, we were working on the issue of climate change, and it is from our caucus here at the Pan-African Parliament that we approached the East African Legislative Assembly, being the only one that is legislative, to come up with a law that deals with disaster preparedness, for example. So that's an example of how we are working together. We need to work better together. But at the end of the day, as I said, the best thing would be to give Pan-African Parliament the power to legislate on some commonalities in Africa. Yes. So, question number... So the same question. Yes. I'll continue with the question number five. Okay. Still number five? Still number five. Okay. So the new mandate yes. is just to make model laws. But you're saying mm-hmm. you're,
you don't have the power to legislate? Not yet. No, we don't have it, and it has to be approved at the African Union summit level, where the heads of state meet. We have already taken that the protocol. I think we have one country. I believe we have one country that has signed off to it. We are really hoping that Kenya will be the second one, because we have been able to speak to our president, and he has given us assurance that he supports that move. And that's what we are doing now. As a Pan-African Parliament, we are lobbying the different heads of state to put their signature to it, to the new protocol, and then we will be elected to come only to sit at the Pan-African Parliament, not as is currently happening, where we sit in our national parliament and we are seconded to this Pan-African Parliament. Okay. Yes. Oh, okay. Question number six, mm-hmm. What is the role of regional and international cooperation strategies in promoting a stronger evaluation community? As I said, first of all, when you're planning policy, you must have gone to the ground or to the people to know what their priorities are. And so the priority, for example, for Africa, if we worked as a regional parliament, would be ideal, because it would probably mean that more emphasis is put on it and more resources are put on an issue that affects the whole of Africa. For example, when the issue of Ebola came up, Ebola may have been in three or four countries, Sierra Leone, Liberia, and I can't remember which other one, but it was an African-wide problem. Because I do remember, for example, in Kenya, we sent doctors and nurses to Sierra Leone at that time. So if we had commonality in terms of what we agree in terms of sectors like health, for example, and education and security and agriculture, it would make our work more easier, because when people are negotiating as a group, you tend to achieve more than when you go as a single country. So this thing that we have been doing on our own bilaterals, just one-to-one, would work better if, for example, as Africa, we would negotiate with the EU or with the US as an African group. We've done it on climate change. We have the African position that has been highly effective in the negotiations on climate change and adaptation strategies. We've gone as Africa. So if we could go more as Africa and speak our issues as with an African voice, one Africa, we would achieve much more. That's my thinking. Okay. Yes. Okay, thank you so much. You're welcome. Ok, mon nom c'est Patrick Mayombe-Mumbioko, je suis député au Parlement de la République démocratique du Congo. Je suis élu de la circonscription électorale de Bomongo dans la province de l'Équateur. Au Parlement du Congo, dans l'Assemblée nationale, je suis deuxième vice-président de la Commission des infrastructures. Merci beaucoup. Et ici au Parlement, au PAP, je suis membre de la commission de l'économie rurale, agriculture, ressources naturelles et environnement. La question numéro 1. Au cours de votre mandat au Parlement de votre pays, comment l'évaluation a-t-elle été importante dans l'élaboration du projet ou planification politique? Bon, d'abord, il faut faire la part des choses sur cette question. Moi, je suis parlementaire. C'est vrai que j'étais au gouvernement, j'étais comme vice-ministre de l'Intérieur. En principe, l'évaluation se fait au niveau du gouvernement, pas au niveau du Parlement. Pour nous, parlementaires, il existe la loi de finances, mais avant que le Parlement ne vote la loi de finances, nous avons ce qu'on appelle la réduction des comptes. Ça veut dire que le gouvernement nous explique comment il a utilisé le budget qu'on avait mis à sa disposition. C'est lors dans cette réduction de comptes que le Parlement fait des remarques pour savoir qu'écoutez, les fonds qu'on avait mis à disposition du gouvernement n'ont pas été bien utilisés. Et à partir de là, le gouvernement tire des leçons pour évaluer, voir un peu qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer pour les années suivantes. Mais quant à nous, l'évaluation ne se fait presque pas telle que vous le souhaitez, parce qu'au niveau du Parlement, c'est presque une routine.
Sauf que de temps en temps, on peut évaluer, on peut savoir telle année, on a voté plus de lois que l'année passée. Pourquoi on n'a pas voté autant de lois cette année ici par rapport aux autres années? Donc l'évaluation, je crois, ça reste du domaine du gouvernement pour les projets, quoi. Oui, nous, en tant que parlementaires, nous pouvons faire les plaidoyers auprès du gouvernement pour que le gouvernement renforce l'évaluation. Parce qu'un gouvernement ne peut pas décoller s'il ne fait pas l'évaluation. C'est chaque année que le gouvernement doit évaluer l'action de l'année passée pour voir comment il va améliorer pour l'année prochaine. Et dans tous les ministères. Donc c'est nous qui devons faire pression pour que le gouvernement fasse les évaluations. Encore que le gouvernement accepte de le faire et qu'il le fasse. Parce que dans mon pays, les choses sont tout autres. Merci. Comment voyez-vous l'avenir de l'évaluation dans les prochaines années? Quel sujet devrait gagner plus d'attention et pourquoi vous pensez qu'elle devra gagner? Écoutez, normalement, l'évaluation doit se faire dans tous les domaines. Dans le domaine de la recherche scientifique, on doit évaluer ce qu'on a fait l'année passée, ce qu'on n'a pas fait. Dans le domaine de la santé, pour voir ce qu'on a fait l'année passée par rapport aux différentes maladies endémiques qu'on a et quelles sont les stratégies à prendre. Dans le domaine de l'éducation, on doit voir comment l'enseignement évolue, l'éducation évolue. On doit étudier pourquoi il y a des perditions cette année pour réduire les taux d'analphabétisation dans le pays. Il y a aussi dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des infrastructures. On doit, donc l'évaluation, c'est vraiment la plaque tournante de développement d'un pays. Sans évaluation, on ne peut rien faire. Sinon, comment on va comparer? C'est l'évaluation, c'est la comparaison de ce qu'on a fait les années précédentes par rapport, et puis projeter maintenant l'avenir. Participation de vos populations africaines et à la discussion ou au débat et à la prise des décisions pour répondre aux défis que le continent est confronté. Écoutez, le Parlement panafricain avait jusque-là un pouvoir très limité. Il n'avait qu'un pouvoir consultatif par rapport à l'Union africaine. Il n'y a que à Maputo, à Malabo, dernièrement en 2014, qu'on a changé, qu'on a conféré au Parlement panafricain le pouvoir de légiférer. Encore que ce pouvoir est encore, tributaire du point de vue des chefs de l'État. Donc nous, tels que nous sommes là en tant que parlementaires, nous ne pouvons pas légiférer de nous-mêmes si ce n'est pas sur l'accord des chefs d'État africains. Et nous serons donc à mesure de voter ces lois types que lorsque les chefs d'État pourront nous l'autoriser. Mais s'il en est ainsi, si jamais il arrivait à ce qu'on nous permette de prendre une loi sur la santé, l'évaluation dans le domaine de la santé, c'est vraiment prioritaire et primordial parce que vous avez vu, par exemple, Ebola frapper une partie de l'Afrique de l'Ouest. Okay? Au niveau de l'Afrique, on doit prendre des stratégies pour lutter contre une pareille maladie qui a touché une partie de l'Afrique. Et pour ce faire, l'évaluation est beaucoup plus nécessaire année par année pour voir ce qui s'est passé ailleurs, ce qu'on n'a pas fait et ce qu'on pourra faire l'année prochaine. Donc nous ne devons influencer que influer sur au niveau régional et en Afrique que lorsque les chefs de l'État nous l'auront autorisé. Sinon, nous ne saurons rien faire, nous, Parlement panafricain. Internationale pour la promotion de l'évaluation. Je crois bien que
pour lutter contre le sous-développement qui frappe le continent africain, et il a été demandé que les Africains passent par les regroupements régionaux. Et lorsque, au niveau régional, on s'est réunis pour prendre une certaine stratégie pour lutter contre quelque chose, ça vaut mieux parce qu'on n'est pas tellement nombreux plutôt que d'embrasser le tout. Ce qui veut dire que lorsque nous passons au niveau de chaque pays prend conscience qu'il faut faire l'évaluation sur tous les niveaux et que chaque pays va jusqu'à, dans les regroupements régionaux, aller jusqu'à planifier et à faire l'évaluation au niveau régional. Au niveau africain, ça devient beaucoup plus facile. Au niveau international, ça devient beaucoup plus facile. Et même l'intervention de la communauté internationale devient beaucoup plus facile parce que nous aurons déjà pris conscience à notre niveau national et régional. Donc, les stratégies à prendre au niveau régional, c'est beaucoup plus encouragé parce que, à partir de ça, ce serait beaucoup plus facile au niveau international de prendre des stratégies nécessaires pour de nouvelles évaluations. Comment pensez-vous que le comité, différents comités du Parlement panafricain, établissent leurs liens ou collaborent avec les institutions régionales pour soutenir les initiatives régionales, des initiatives qui peuvent être sanitaires ou qui peuvent être sociales? Comment vous faites-vous faire passer votre message à ce niveau-là? Le Parlement panafricain a 10 commissions. Et dans ces commissions sont affectés des députés. Et chaque commission travaille avec des organisations, des organismes en rapport avec les domaines concernés. Par exemple, moi je suis de la commission de l'agriculture. Nous travaillons souvent avec les NEPAD, le développement durable, et ainsi de suite. Donc dans ces comités, ça dépend du management du bureau de chaque comité. Et sous la direction du bureau du Parlement panafricain. C'est le Parlement panafricain qui prend contact à travers, d'abord, l'initiative doit d'abord provenir de chaque comité. C'est chaque comité qui prend contact à travers le bureau pour encourager le regroupement régional à se faire et pour que le regroupement régional aussi puisse nous aider. Par exemple, hier, nous avons eu une conférence sur la terre. Donc, il y a une organisation qui est basée ici en Afrique du Sud, qui parle de la terre, qui a pris contact, qui voudrait signer un protocole d'accord avec notre comité. Donc, c'est ça, ce qui est le bienvenu, c'est ce qui est une initiative qui est la bienvenue pour nous. Et tous les autres comités en font de même. C'est comme ça que nous travaillons au niveau du Parlement panafricain. Comment ce projet-là va aider à réformer l'agenda qui peut être sanitaire pour certains, qui peut être agriculture pour d'autres, au niveau régional, régional et national? Et quels sont les domaines prioritaires que vous pensez qui doivent être considérés en premier? Vous savez, même cette prérogative de voter des lois, quand bien même elle avait été octroyée au Parlement panafricain, mais elle reste liée à la volonté des chefs d'État. C'est donc le sommet des chefs de l'État qui détermine les matières à pouvoir permettre au Parlement panafricain de légiférer. Le Parlement panafricain, ce n'est pas de lui-même qui se permet de prendre des lois types à pouvoir imposer aux pays africains. Tout part des chefs d'État qui constatent qu'il y a une défaillance dans tel ou tel domaine et ce sont eux qui donnent de la matière au Parlement panafricain pour pouvoir légiférer. Donc vous ne venez pas avec... Nous ne venons pas avec des suggestions, ce sont des chefs d'État qui nous donnent les matières à légiférer, mais nous venons ici le plus souvent pour voter le budget de l'Union africaine, c'est nous qui le votons. Nous votons le budget de l'Union africaine
Et nous avions joué à son temps un rôle consultatif dans beaucoup de problèmes qui se posent en Afrique. Maintenant qu'on vient de nous conférer les rôles législatifs, mais c'est toujours conditionné par l'aval du sommet des chefs d'État. Donc il y a une limitation. Il y a juste qu'elle est une limitation. Merci beaucoup, monsieur.